et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Avec ce qu'il est en train d'enseigner,
ce n'est pas la lettre, ce n'est pas quelque chose qu'on te dit qui n'a pas d'âme, quelque chose qu'on te dit qui n'a pas d'esprit, quelque chose qu'on te dit qui n'a pas de témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu es chrétien, tu as droit au don de l'esprit de Dieu. Ça s'appelle don spirituel, venant de l'esprit. Don spirituel, venant de l'esprit. De quel esprit? De l'esprit de la sainteté. Donc il y aura des dons spirituels, mais qui ne sont pas des dons de l'Esprit Saint. Gloire à Dieu. Amen. Beaucoup me disent, on a chassé les démons, on a prophétisé en tant que nom, chassé les démons par la puissance de quel esprit? Prophétisé par la puissance de quel esprit? Deviné dans l'église. Alors en disant que tu prophétises par la puissance de quel esprit? Je leur dis, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité. Donc, non, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, non, c'est la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de force, et il y a beaucoup de puissance. On va voir la noce qui habite en Dieu, dans l'âme de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour qu'un homme obtienne les dons de l'esprit, il faut les dons. Il faut la grâce de Dieu. Là, il t'envoie. Alors, les dons, on a droit aux dons parce qu'il y a d'abord l'omniscience, il y a d'abord l'omnipotence de la personne qui nous envoie, qui impose qu'on ait les dons. On aura les défis sur le chemin. On aura les défis dans lesquels il va falloir avoir la connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la compréhension du mystère pour obéir par lui, comprendre, obéir par la foi, son nom. C'est la parole de Dieu. Il va falloir la puissance pour accomplir. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi tu as été envoyé. Autrement dit, il faut une grâce. Gloire à Dieu. Amen. Qui va t'être donnée. Cette grâce s'appelle aussi les dons. Parce que il faut, c'est pas la grâce qui octroie les dons. Ici, la Bible nous enseigne que c'est un seul esprit qui dit distribue les dons par sa volonté, selon sa volonté. Donc, on voit qu'avant de distribuer le don, il a une volonté. Gloire à Dieu. Amen. Il a une conscience qui lui permet d'exercer cette volonté. Il juge, il laisse, il parle. Il dit que le don, c'est cela qui équivaut. On dit qu'il distribue les dons à chacun comme il veut. Alors, il y a sa volonté. On montre déjà que l'esprit est une personne, pas une simple force agissante comme d'aucuns le font. Gloire à Dieu. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Les gens qui se connectent souvent. Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, tu avais près de 6 personnes qui se sont connectées. Et puis tu as dit qu'on se déconnecte pour se reconnecter. Ça prouve qu'ils ne sont pas souvent là. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas mentir. Que le Seigneur nous aide. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est arrivé hier. Gloire à Dieu. Amen. Il s'arrive toujours. Non, c'est la parole de Dieu. Il faut parler avec de telles personnes. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voici qu'il faut des dons. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment est-ce que Dieu travaille pour octroyer les dons? Avant d'aller dans les chapitres pratiques et que vous posiez la question, on voit bien premièrement ce qu'il faut avoir pour avoir les dons de l'Esprit de Dieu. Alors, il faut premièrement une âme. Tu dois d'abord être sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois être quelqu'un à qui appartient alors les dons. Tu as la nature, tu as l'âme de la personne à qui appartient les dons. Et puis, tu as l'esprit de la personne à qui appartient les dons. Alors, on dit bien que les dons lui appartiennent. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, les dons appartiennent à la parole de Dieu. Tous les dons seront déferlé par la parole. Gloire à Dieu. Amen. Par la personne de la parole. Les guérisons, les révélations, l'enseignement, quoi que ce soit, ça sera par la personne de la parole de Dieu. Terminé. Il a créé le ciel ou bien il a répondu à une question, c'était par la personne de la parole de Dieu. Donc, premièrement, pour avoir pardon, tu dois avoir l'âme de la personne de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et tu dois avoir l'esprit de la personne de la parole de Dieu. Celui qui a les 7 esprits de Dieu, toutes les connaissances. Gloire à Dieu. Amen. Toute la puissance à lui. Donc tu dois d'abord être vivant par lui. Celui qui me mange vivant par moi. On parle du droit. Ou bien alors déjà de la capacité que tu devrais avoir dans l'identité de ton raisonnement. Et dit que est-ce que j'ai droit au don de Dieu, dans la justice de Dieu? Est-ce que j'ai droit? Alors l'homme nouveau vit par l'âme de la personne de la vérité, et il vit par l'esprit de la personne de la vérité. Donc les dons de l'esprit
l'esprit de vérité. Amen. Donc demander que tu es l'âme de la vérité et que tu es l'esprit de la vérité. Autrement dit, la personne qu'on appelle la vérité a une âme, la personne qu'on appelle la vérité a un esprit. Amen. C'est une personne. Amen. Les dons, ce sont les dons pour marcher dans la vérité. Amen. Sans faire erreur. Les dons, c'est une puissance surnaturelle. Amen. Alors extra. Amen. Qu'on te donne, ce sont les yeux spirituels, une habileté, une force. Amen. Extra qu'on donne. Mais pour que tu utilises ces dons, tu dois avoir d'abord l'âme de la personne et l'esprit de la personne. Alors, ici, la Bible est claire. Amen. Ayant l'âme de cette personne et ayant son esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu as ton âme à toi. Amen. Tu peux transmettre tes esprits à toi. Quand on parle de ton esprit, on parle de l'esprit qui agit dans ton âme, qui agit dans ton âme. L'esprit qui agit dans les fesses de la rébellion. C'est la parole de Dieu. Dans les fesses du mensonge. Amen. Alors, l'esprit là n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. C'est l'esprit du monde. Alors, les personnes vont décider d'abord. Amen. Pourquoi pas la saison? Premièrement, il faut que tu aimes l'âme de la personne de la vérité. Amen. Qui est propriétaire de tous les dons. Amen. Donc, ces dons ne vont jamais atterrir sur notre âme. Amen. Alors, tu dois aimer son esprit. Amen. Alors, les adorateurs que le Père recherche, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Dans l'âme de la vérité. Ils n'ont pas de ceux, ils n'ont pas de ceux l'amour de la vérité. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de ceux l'amour de l'âme de la vérité, du sang de la vérité. Ils ont préféré le sang. Ils ont préféré le sang de moi, le sang de je veux, le sang de il me faut, et puis ils veulent les dons. Amen. Ceux-là ne peuvent pas avoir les dons de l'esprit de vérité. Amen. Alors, il faut d'abord, c'est pourquoi Paul va dire que rechercher l'amour d'abord. Amen. La voie par excellence, c'est l'amour. L'amour pour qui? L'amour d'abord pour l'âme. Amen. De la personne. Donc, vous entendez les chanter, on va prier pour les dons. Tu n'as pas besoin de prier pour les dons. Amen. C'est la parole de Dieu. La convoité, tu n'as vraiment pas besoin de prier pour les dons. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu dois simplement aimer. Paul va le montrer clairement là-bas. Tu n'as pas l'amour. Tu veux prier pour aller où? C'est la convoité. C'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14 va être clair. On va revenir là-bas. Je parle d'abord théoriquement. Alors, il te faut aimer. Amen. Alors, si tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas ma personne, mes choses vont te corrompre. Amen. Corrompre veut dire quoi? C'est pas que mes choses sont mauvaises en tant que telles. Alors, mes choses, tu vas me suivre pour mes choses. Amen. Voilà ce que Dieu entend par corrompre. Donc, tu ne vas pas m'aimer, mais tu es corrompu. Alors, de me suivre parce que tu vois mes choses. Autrement dit, tu ne veux vraiment pas me suivre. Tu ne veux vraiment pas être avec moi. C'est parce que tu vois mes choses. Tu vois ma puissance. Tu vois ma capacité de prophétiser. Ma capacité de faire des miracles. De parler d'autres langues. D'enseigner. Tu convoites ces choses. Un peu comme Simon, le magicien. Amen. Tu vas convoiter. Que donnez-moi aussi. Pour que quand je pose les mains aux gens, ils reçoivent aussi le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'il connaît le sang? Non. Est-ce qu'il connaît l'esprit? Non. Terminé. Et il dit qu'il attend quelque chose de Dieu. Ceux-là sont disqualifiés d'obtenir les dons de l'esprit. Amen. Premièrement, ils vont mentir. Il y a toujours le mensonge. Quand tu n'aimes pas l'âme de Jésus, écoutez très bien. On a fait des cliniques pratiques et on est encore dans notre clinique pratique en train de passer les fondements de la vérité en ce qui concerne la connaissance de Jésus, de la parole de Dieu. Vous voyez, les chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent même pas que Jésus est en eux. Ils ne connaissent pas que Jésus, l'âme de Jésus, par laquelle il fait toutes choses pour les chrétiens, pour qui il est miséricordieux, tout c'est l'âme, c'est pas son sang. C'est pas son sang qui va faire que tu ne pêches plus, tu ne manques plus, tu ne voles plus, tu ne te mets plus en colère, que tu n'aies plus conscience de toi-même, c'est pas son sang. Et son sang est en toi, c'est son âme. C'est pas son esprit qui va te donner la capacité de ne plus pécher avec les trucs de divination et tous ces trucs vont partir. Il va te donner la capacité d'avoir la paix, l'amour, la bonté, la bénédiction, la tempérance, des bonnes choses qui sortent de ton cœur. C'est pas l'esprit. Alors, lui, il est en
toi. Jésus-Christ habite en toi. Il est en toi. Maintenant, on a vu que, regarde ce qui se passe, le mystère du ciel, de l'ignorance. Parce que quand on parle des dons, on parle aussi de la conscience. On va arriver là-bas. Très important. Il y a une conscience que tu dois avoir avant d'avoir les dons. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le don, c'est la puissance. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas donner la puissance à quelqu'un qui n'est pas conscient. C'est fermé, il va gâter. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la maturité, alors, de la conscience qui va te donner le droit d'avoir les dons, sera observée ou bien alors lue dans l'amour que tu as pour l'âme de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Même tu plus que ne le font ceci. Alors, voici les dons. Voici l'autorité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, aimes-tu mon âme? Gloire à Dieu. Amen. Et détestant ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Aimes-tu mon esprit? Gloire à Dieu. Amen. Et détestant les autres esprits. Gloire à Dieu. Amen. Qui sont en toi. Son nom. C'est la parole de Dieu. Bien terminé. Alors, on voit clairement. Et c'est qu'il faut l'amour profond d'abord de l'âme, de la personne, de la vérité. Si tu n'as pas l'amour là, c'est terminé. C'est fini. Alors, tu dois aimer profondément. Tu n'aimes pas. Tu aimes ton âme. Tu ne renonce pas toi-même, tu vas avoir des désirs de l'esprit, des dons de l'esprit, mais c'est un autre esprit qui travaille avec ton sang, gloire à Dieu, qui va te répondre. Tu auras les mêmes trucs, tu vas rêver à l'église, ça arrive, mais c'est un autre esprit qui travaille avec ton sang, gloire à Dieu, amen. Qui n'est pas le sang de l'esprit de vérité, gloire à Dieu, amen. Et tu as l'esprit de divination, un peu comme la femme qui suivait Paul sur le chemin, gloire à Dieu, amen. Et qui va dire que ces hommes sont les hommes de Dieu, ils vous attendent la voix du salut. Alors Paul va se retourner là à Dieu. Amen. Il va rejeter cet esprit, le témoin de cet esprit qui n'a pas lui l'âme de Jésus. Alors je disais que vous remarquerez bien que les chrétiens ne connaissent pas Jésus en eux, mais ils passent le temps de prier un Jésus qui est au ciel là à Dieu. Amen. Ils ne connaissent même pas. Et le Jésus qui est au ciel pour eux, c'est le visage de quelqu'un qui a marché sur la terre, un homme, et reste un ciel très loin. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi les dons. Oh, Seigneur, sanctifie-moi, oh, Seigneur Jésus-Christ, oh, oh, lave-moi, oh, pardonne mes péchés, oh, Seigneur, je t'invoque. Il va passer toute la vie sur la terre à mentir. Là, là, Dieu. Amen. Alors, voici la question qu'on a posée dans notre clinique la tête. Alors, tu vas diriger, on regarde clairement la question que tu vas poser. Là, là, Dieu. Amen. Alors, admettons que tu habites avec quelqu'un, son nom. C'est la parole de Dieu. Tu habites avec quelqu'un dans la maison. Et puis, il y a une autre personne qui habite très loin, dans un autre pays. Là, amen. Il me semble que celui que tu dois connaître le plus d'abord, c'est celui qui habite dans ta maison. Amen. Est-ce que c'est celui qui est loin? Amen. Alors je suis au ciel, je suis aussi dans ton cœur. Amen. Il me semble que tu devais d'abord bien connaître celui qui est en toi. Si je fais, c'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Alors comment est l'âme de Christ? Tu ne connais pas. Amen. Comment est l'esprit de Christ qui vit en toi? Tu ne connais pas. Du commencement, tu vas mourir sans de conscience que l'âme, le sang, la vie, l'émotion, le sentiment, la de Jésus sont en toi. Gloire à Dieu. Amen. Que son esprit est en toi. L'esprit de Dieu est en vous. Si vous vivez par l'esprit, gloire à Dieu. Amen. Alors si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. La vie en vous-même. Donc, comment est la vie de Jésus? Comment est la vie de l'âme de Jésus? Tu es inconscient de connaître. Tu veux les dons. Que Dieu nous aide. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ce mystère. Les personnes ce n'est pas les dons de Dieu que vous allez recevoir. Vous allez recevoir vos trucs de mensonge. Tu es là, tu es incapable de vaincre le péché. Là, là, tu, amen. Tu n'es pas sanctifié par l'âme de Jésus, par la croissance dans la conscience de la personne du Seigneur Jésus en toi. Mes enfants pour lesquels je prouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Formé, en formé. La personne de Jésus soit formée en vous. Là, là, tu, amen. C'est lui qui exerce les dons dans le ciel et la terre, il ne fait pas d'erreur. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment la croissance de la personne de Jésus-Christ sera effective en moi? Il faut que je choisisse de l'aimer, aimer son âme embryonnée en moi. Gloire à Dieu. Amen. Et puis son esprit qui sont embryonnés.
mais donc petit encore. Là, là, amen. À moi, son nom. C'est la parole de Dieu. Et bien, les mains, là, là, amen. Je serai nourri, là, là, amen. Par la parole qui vient du ciel. Il me donne d'abord le lait, après, il me donne la nourriture solide. Je deviens un homme fait tout par la parole. Là, là, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ce n'est que la parole, partout. Là, là, amen. Docteur, prophète, enseignant, c'est pas la parole. Vision, c'est pas la parole. Sans la parole, il n'y a rien. Et cette parole a une âme et cette parole a un esprit qui te sanctifie d'abord. Là, là, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et c'est la voix du sang. Là, là, amen. Et la voix de l'esprit. Là, là, amen. Qui exerce le don sur la terre. S'il ne parle pas, si l'âme de la parole ne parle pas, si l'esprit de la parole ne parle pas, le don là est faux. Là, là, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On répète encore, ça ne va pas marcher avec ton sang. Là, là, amen. Avec ta pensée que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tu n'auras pas les dons pour aller continuer à enseigner les gens à gagner leur vie de la part de Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne te donnera pas le don. Voilà, amen. Ne donnez pas les choses saintes au petit chien. Le père qui ne se tourne contre vous et vous ne vous dévore. Voilà, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de cela Dieu. Cela nous amène à une autre dimension de recevoir les dons qui est nécessaire, la conscience. Voilà, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'âme de la personne de Jésus et son esprit ont une conscience. Voilà, Dieu. Amen. Son conscience, c'est-à-dire que la connaissance est supérieure. Voilà, Dieu. Amen. Alors, qui est très importante, qui s'appelle la maturité, est une conscience. Voilà, Dieu. Amen. Et la maturité est une conscience qui implique automatiquement la confiance. Voilà, Dieu. Amen. Te donner les dons, c'est te faire confiance. Ce sont les instruments de travail. Voilà, Dieu. Amen. Pour quelqu'un qui va travailler pour mon sang. Voilà, Dieu. Amen. Et pour mon esprit, qui va travailler par mon sang et par mon esprit. Qui va travailler en mon sang et en mon esprit. Il faut bien comprendre, quand on dit que l'esprit distribue les dons à chacun comme il veut, tu viens avec ton sang de la chair, avec tes esprits de je veux, et mon frère, et tu parles à un jet. Que le Seigneur t'aide. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'obtiendras aucun don de l'esprit. Tu vas être marabout à l'église, faux prophète. Là, là, amen. Avec les esprits de divination à gauche et à droite. Te disant que tu es de Dieu et que Dieu t'utilise. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce sont les dons de la personne, de la parole de Dieu, de la personne, de la vérité. Donc, il faut premièrement aimer la personne de la vérité. Alors, ça, il faut être conscient. Il y a une conscience qui intervient. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il y a une maturité. Alors, qui va déclencher les dons? Il faut bien comprendre. La Bible, Paul va dire aux Corinthiens, on va arriver là-bas pratiquement, même dans 1 Corinthiens 7. Il va dire que tu as les miracles, tu as les dons des miracles, la connaissance des mystères. Si tu n'as pas l'amour, ça ne te sert à rien. Autrement, ce n'est pas de Dieu. Il faut comprendre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça ne te sert à rien. C'est fêlé. Gloire à Dieu. Amen. Dieu ne tente lui-même personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Comme est tenté lorsqu'il a tiré et amorcé par sa propre convoitise des dons. Là, là, amen. Et après ça, il va convoiter les choses qui ne lui donnent pas la vie éternelle. Il n'a pas l'amour de l'âme de la vérité. Là, là, amen. Il n'a pas l'amour de l'esprit de la vérité. C'est terminé. Alors, la logique qui déclenche la vie des dons, comme j'ai dit qu'il ne faut pas prier, ça va marcher d'abord. Je veux dire, prier. Si tu n'as pas l'amour, tu demandes dans la chair. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes terminé. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors tu as vu les dons, tu as convoité, oui. Mais tu n'as pas aimé le propriétaire des dons. Là, là, amen. Si tu avais aimé le propriétaire des dons, toute la vie du propriétaire des dons et l'esprit du propriétaire des dons, tous les dons sont dans sa personne. Là, là, amen. Alors comment feras-tu pour que les dons soient opérants? Là, là, amen. C'est la parole de Dieu. Alors voilà ce qui se passe. Le mystère ici, c'est que tu reçois d'abord par l'esprit l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Alors, de l'âme de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Qui est en toi? La vie de la vérité, la paix, la bonté, la bénédiction, la tempérance, la douceur, l'amitié. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La patience. Gloire à Dieu. Amen. La bénédiction. Son nom, c'est la parole de Dieu. La bonté qui pousse tout homme à la repentance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, tu reçois d'abord abaisser l'amour. Là, là, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors maintenant, comme tu as reçu la sémence de l'amour de la vie là, 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 Dieu, amen. Il n'y a aucun chrétien qui, après avoir reçu Jésus, n'a pas reçu l'amour de l'esprit dans son cœur. Là, là, amen. L'amour
fort, grand, la sémence pure, incorruptible, l'amour qui accomplit la loi. Voilà Dieu. Amen. L'amour qui ne recherche pas son intérêt, qui n'a pas conscience de soi-même. On parle des gens qui auront droit au don. Voilà Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Sans demander, les pieds n'ont pas demandé. Voilà Dieu. Amen. Les pauvres n'ont pas demandé au don. Voilà Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Ils se retrouvent avec les dons terribles. Voilà Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu demandes, tu ne sais pas ce que tu es. C'est la parole de Dieu. Tu vas faire quoi avec les dons là? Tu vas servir quelle vie avec? Là, là, Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors tu vas servir quelle vie? Là, là, Dieu. Amen. Pour tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Si j'ai les dons, je donne ça pour ma vie, pour protéger ma vie, pour propager ma vie. C'est la parole de Dieu. Mais toi, tu n'as pas l'amour de ma vie. Que fais-tu avec mes dons? Mes dons, c'est le symbole de ma force. Là, là, Dieu. Amen. Comment je vais te donner la force si tu n'aimes pas ma vie pour aller combattre ma vie? Là, là, Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, avec la sémence incorruptible de l'amour, là, là, Dieu, de la parole incorruptible qui a été mise en toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à aimer la vie là. Là, là, Dieu. Amen. Et maintenant, la vie ici, c'est-à-dire que l'âme de la parole, là, là, Dieu, amen, et l'esprit de la parole ont une conscience. Là, là, Dieu. Amen. Dans la conscience, là, il y a tous les dons. Là, là, Dieu. Amen. Donc, dans la conscience, là, il y a l'omniscience. Donc, si c'est un don en ce qui concerne la toute puissance, là, là, Dieu. Amen. C'est dans la conscience, là, là, Dieu. Amen. De la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. S'il existe un don de l'omnipotence, là, là, Dieu. Amen. C'est dans la conscience de la parole de Dieu qui est omniscient, omnipotent. Là, là, Dieu. Amen. S'il existe un mystère de connaître, là, là, Dieu. Amen. Partout, en même temps, c'est dans la conscience omniprésente, là, là, Dieu. Amen. De la personne de la parole de Dieu, dans sa conscience, là, là, Dieu. Amen. Et au service de sa vie, d'abord, là, là, Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, si tu aimes quelque chose dans le monde, là, là, Dieu. Amen. Admettons que tu aimes l'argent, là, là, Dieu. Amen. Alors, tu vas appliquer maintenant ta conscience, là, là, Dieu. Amen. À vouloir trouver l'argent, là, là, Dieu. Amen. Alors, et puis, la conscience que tu as dessus, que le diable t'a donné, il y a dedans, là, là, Dieu. Amen. Des trésors, des capacités de trouver l'argent et de gagner ta vie, là, là, Dieu. Amen. Comment toi, il va déclencher le trésor, là, c'est-à-dire que la quête de vouloir, là, là, Dieu. Amen. Les dons pour trouver l'argent, là, là, Dieu. Amen. Le mystère, les enseignements, comment faire pour que les gens soient riches, comment il faut s'aimer, récolter, là, là, Dieu. Amen. Dans le monde, comment il va déclencher ça? Il va déclencher ça par l'amour de la vie du monde que tu as, là, là, Dieu. Amen. Que tu aimes la vie du monde, là, là, Dieu. Amen. Tu vas appliquer ton intelligence. L'intelligence, c'est une partie de la conscience, là, là, Dieu. Amen. Le raisonnement est une partie de la conscience. La sagesse est une partie de la conscience. La Bible dit que n'y applique pas ton intelligence pour t'enrichir. Là, là, Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais quand tu aimes ta vie et que tu veux la gagner, toute ton intelligence, toute ta pensée, là, là, Dieu. Amen. Que de l'ordre de la conscience seront appliqués, là, là, Dieu. Amen. Pour gagner la vie, là. Tu vas tout faire, penser, chercher pour gagner la vie, là. Que Dieu t'aide. C'est la parole de Dieu. Alors, comment tu vas partir pour gagner la vie, là? Alors, tu vas raisonner, réfléchir. Il me faut, je dois abandonner telle chose. Je dois faire comme ça. Après, tu vas trouver une solution. Tu as maintenant une conscience à guérir plus que quelqu'un qui n'aime pas sa vie. Là, là, Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas sa vie ne prend pas le chemin. Là, là, Dieu. Amen. De l'ouverture du sceau des dons. Là, là, Dieu. Amen. Du trésor qui est caché dans la conscience qui appuie. Là, là, Dieu. Amen. Le gain, la multiplication de la vie que tu as choisi d'aimer. Là, là, Dieu. Amen. Alors, il sera plus sage que toi, plus intelligent que toi. Là, là, Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il va conseiller plus que toi. Il va prophétiser plus que toi. Là, là, Dieu. Amen. Pour gagner sa vie dans le monde. Son nom, c'est la parole de Alors, Dieu. Pourquoi a-t-il ça? Pourquoi les enfants des ténèbres ont plus de dons? Là, là, Dieu. Amen. Que les chrétiens. Parce qu'ils aiment vraiment la vie là. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils vont réfléchir. Il dit que j'aime la femme qui est brune. Alors je vais réfléchir, réfléchir, réfléchir. Ils vont créer une huile. Là, là, Dieu. Amen. Que la femme va mettre sur son corps. Là, là, Dieu. Amen. Pour qu'elle soit brune. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il applique son intelligence parce qu'il aime, seulement parce qu'il aime. Là, là, Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il vient maintenant demander à son maître. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et demande exactement ce que son maître veut. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De valoriser la vie sur la terre. Là, là, Dieu. Amen. Et d'aveugler la conscience de la foi. Son nom, c'est la parole de Dieu. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut comprendre qu'ils ont leur don, mais déclenché par l'amour. Alors, ils aiment sincèrement leur vie sur la terre. Là, là, Dieu. Amen. Alors, ils découvrent les dons dans l'enseignement.
seulement ils vont vous battre. Là, là, amen. Ils vont vous contredire. Vous ne pourriez pas réagir dans les erreurs qu'ils enseignent. Là, là, amen. Ce sont les faux docteurs. Ils ont les dons. Là, là, amen. Pour enseigner l'erreur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les faux prophètes, ils prophétisent le mensonge sans la thématique de l'éternité dedans. Là, là, amen. Alors, c'est quel don? Là, là, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Là, là, là. Ils vont faire les miracles mensongers. Son nom, c'est la parole de Dieu. Avec quel esprit? Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils seront des docteurs, on a bien vu. Là, là, Dieu. Amen. Ils seront des apôtres, des ouvriers. Trompeurs. Avec quel esprit? Là, là, Dieu. Amen. Ils ont l'amour vrai de la vie qui défendent. Là, là, Dieu. Amen. Ils font la promotion de la vie, là, l'argent. Là, là, Dieu. Amen. Les belles maisons, les belles voitures ne se cachent pas. Là, là, Dieu. Amen. Ils sont avec, ils n'ont pas honte. Ils mettent leur gloire dans ce qu'ils font. Là. Honte. Son nom, c'est la parole de Dieu. Leurs dons sont manifestes. Là, là, Dieu. Amen. Pour aider les gens à perdre leur éternité. Les dons du mensonge. Là, là, Dieu. Amen. Ils n'ont pas reçu l'amour de l'âme de la vérité. Là, là, Dieu. Amen. Alors ils sont dans d'autres dons. Ces hommes sont les ouvriers. Trompeurs. Déguisés en apôtres. Christ. Terminés. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors ils prennent les dons là-haut. Ils viennent avec à l'église. Tu commences à copier. Là, là, Dieu. Amen. Que ton voix, que tu l'esprit. Voilà un homme de Dieu. Que Dieu nous aide. Un esprit d'égarement. Là, là, Dieu. Amen. Alors la conscience de la vérité ne peut pas donner le don aux gens là. Là, là, Dieu. Amen. Il ne peut pas donner sa puissance pour que tu aies lutté contre son âme. Là, là, Dieu. Amen. Leur puissance fait vivre l'âme de la chair qui est contre l'âme de Jésus. Amen. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Dieu est terminé. Amen. Il y a une inimitié entre l'esprit qui opère le don et ceux qui vivent selon la chair. Là, là, Dieu. Amen. Dieu ne peut pas leur donner un don quelconque. Ne paie pas ton temps. Ça ne vient pas de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Dieu. Alors, et on part en profondeur. Maintenant, du côté du chrétien, comment ça se déclenche aussi? Paul va leur dire, c'est seulement l'amour. Pierre, même Dieu, c'est terminé. Là, là, Dieu. Amen. Blesse que nous le faisons, c'est. Aimes-tu mon âme? Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Aimes-tu mon esprit? Là, là, Dieu. Amen. Aimes-tu cette vie où il n'y a pas de femme? Il n'y a pas la conscience du moi dedans. Il n'y a pas la conscience de je veux, de il me faut la vie pleine, satisfaite, de la paix, de la bonté, de la bénignité. Aimant tes ennemis, vivant heureux, dans la conscience de l'immortalité. Là, là, Dieu. Amen. Quand tu ne vois que moi, là, là, Dieu. Amen. Quand tu ne penses qu'à moi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Là, là, Dieu. Amen. De tout ton cœur, aimer d'abord. Là, là, Dieu. Amen. De toute ton âme. Là, là, Dieu. Amen. De toute ta pensée et de toute ta force. Son nom, c'est la parole de Dieu. De l'amour, c'est. Là, là, Dieu. Amen. Que va découler. Ça veut dire que la conscience de la maturité est amour. Là, là, Dieu. Amen. Et c'est dans l'amour qui se tient pour octroyer les dons. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'amour est une conscience. Là, là, Dieu. Amen. Mature. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Son nom, c'est la parole de alors, Dieu. Avec l'amour de l'âme, on ne dit pas l'amour de pour toi. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de alors, Dieu. Alors, quand tu commences à aimer la vie, là, là, Dieu. Amen. Maintenant, il te donne la conscience. Son nom, c'est la parole de Dieu. Commence à méditer la croix de Christ. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, la conscience, là, s'applique à la vie que tu veux gagner. C'est le mensonge. Là, là, Dieu. Amen. Un autre n'aura pas le don, l'autre aura le don. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'autre a l'amour de la vie. Alors, il avance dans la vie et quand il avance progressivement dans la vie, il découvre l'autorité. Les dons sont l'autorité de Dieu qui sont cachés dans sa vie. Là, là, Dieu. Amen. C'est en allant boire la vie, là, beaucoup que j'arrive dans la position de l'autorité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Alors, là, c'est dans le sang, l'amour de l'âme et de la vérité. Plus tu aimes, tu appliques ton intelligence, ton raisonnement. Là, là, Dieu. Amen. Que je quitte le travail, je quitte la maison. Là, là, Dieu. Amen. J'abandonne ça pour me consacrer à la maison du ciel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà un don d'obéissance. Là, là, Dieu. Amen. Voilà un don de compréhension de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Comment tu fais? Parce que n'oublie pas, les dons doivent te donner l'autorité de la vie éternelle. Que c'est bien, tu as un homme de gagner. Toute la terre. Si perdant. Son âme. Non. C'est la parole de Dieu. Et en mettant en pratique, tu es témoin de vrais miracles. Gloire à Dieu. Amen. L'âme de Jésus commence à monter avec force. Gloire à Dieu. Amen. Soudainement, tu ne pèses plus. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne penses plus à toi-même. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors tu avances. Gloire à Dieu. Amen. Et puis maintenant, l'Esprit te montre. Tu apprends. Il te donne les révélations. Son nom. C'est la parole de du Dieu. Le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. À partir de l'amour de l'âme que tu veux avoir et garder. Là, là, Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, dans le sang que tu bois. Là, là, Dieu. Amen. Alors, il y a l'autorité dedans. Là, là,
Amen. Il y a l'esprit de Dieu dedans. Gloire à Dieu. Amen. Il y a l'esprit, la force, l'esprit de connaissance de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. L'esprit de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. De Dieu. Il avance. Après, il reste comme s'il regardait. Hey, donc, dans l'autre sens, il y a un désir de sexe. Gloire à Dieu. Amen. Qui fait souvent que je n'aime pas Dieu. Je ressens les désirs contraires à moi. Parce que la prophétie de la parole, gloire à Dieu. Amen. La conscience de la parole dit bien que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, il n'y a pas une autre âme que je dois ressentir, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus. Alors, tu vois que dans le désir de sexe, comment je parle quand je pars coucher avec ma femme, je prie. La Bible dit qu'on peut faire les rapports sexuels quand on est marié. Comment est-ce que je parle maintenant? Je ne comprends plus. On parle des dons des docteurs, gloire à Dieu. Amen. Des enseignants, gloire à Dieu. Amen. Des apôtres, gloire à Amen. Dieu, qui viennent pour enseigner, gloire à Dieu. Amen. Alors, maintenant, tu commences à voir l'esprit. Maintenant, va te donner encore le don de comprendre et d'enseigner toi-même, gloire à Dieu. Amen. Toi qui enseignes les autres, que tu ne t'enseignes pas toi-même. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. On parle comme ils observent, on parle des dons vivants, gloire à Dieu. Amen. Pour arriver vainqueur au ciel, son nom, c'est la parole de Dieu. L'autorité qui t'est donnée, gloire à Dieu. Amen. Pour protéger l'âme que tu aimes, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis tu vas voir le frère, il regarde bien, il dit que mais la Bible dit que je me marie, je peux faire des rapports sexuels. Mais je remarque que même étant marié, je fais les rapports sexuels, mon âme est troublée, gloire à Dieu. Amen. Je commence à sentir quelque chose dans mon âme. Ce n'est plus que je m'attache à Dieu. Après le sexe ou avant le sexe, ma femme me contrôle. Voilà. Amen. Je ne pense qu'à son corps, son âme. C'est la parole de Dieu. L'esprit va maintenant, voyant que tu t'interroges, il va voir si tu veux préserver. Voilà. Amen. La paix. Gloire à Dieu. Amen. De l'âme de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Il va te montrer maintenant que je garde même le mariage qui donne le droit au rapport sexuel, c'est le mariage quant à Christ, c'est-à-dire que à l'âme de Jésus et à son esprit. Gloire à Dieu. Amen. C'est là-bas où on a la paix. Ce n'est pas la lettre du mariage. Es-tu vraiment marié en Christ? Gloire à Dieu. Amen. Pour que le mariage, tu l'utilises, que j'ai dit. Parce que quand je dis quelque chose, ça doit avoir mon sang dedans et mon esprit. Sinon, ce n'est pas moi qui dit, parce que Satan peut aussi dire la même chose. Gloire à Dieu. Amen. Il peut aussi avoir les mêmes dons là-bas, mais dans l'apparence. Mais ce qui est de faire la vérité, l'âme et l'esprit de la vérité, il n'aura pas. Gloire à Dieu. Amen. Alors le mariage que j'entends dans ma conscience, gloire à Dieu, Amen. C'est le sang. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est pas l'esprit. Et dans le mariage, là, on fait les rapports sexuels pas par un autre sang. Gloire à Dieu. Amen. Le sang de convertis, mais pas moi. Gloire à Dieu. Amen. Alors en ce moment, je dis que vous avez droit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le désir viendra de moi. Si tu fais, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors comment tu as la connaissance si pour voir? Gloire à Dieu. Amen. Comment tu as le don si? Gloire à Dieu. Amen. Pour voir comme ça, c'est l'amour de l'âme. Gloire à Dieu. Amen. De la vérité que tu veux préserver, qui t'aide. Gloire à Dieu. Amen. Son don, c'est la parole de Dieu. Si tu perds l'amour là, est-ce qu'on va encore te donner le don? Non. Est-ce qu'on va encore te donner la compréhension? Non. Son don, c'est la parole de Dieu. La justice d'obtenir le don. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, il me faut, tu perds ton temps. Aime la vérité. Amen. Aime le Seigneur Jésus. Son nom. C'est la parole de Dieu. Après, tu dis, mais c'est vrai. On te révèle et tu vois. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, tu connais. Gloire à Dieu. Amen. Le don de connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Le don d'une parole de connaissance que l'Esprit donne à quelqu'un. Gloire à Dieu. Amen. La capacité. Donc, bien quoi que ce soit, c'est le mouvement de l'Esprit pour t'aider. Gloire à Dieu. Amen. Quelque part, quelque chose qui te sera utile dans la marche. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Voilà comment il avance. Gloire à Dieu. Amen. Par l'amour, il veut défendre entre l'âme de la vérité, pas dehors, mais en lui. Gloire à Dieu. Amen. Et connaît Jésus en lui. Il prêche le Jésus qui est sa vie. Au nom de Jésus qui est ma vie. Gloire à Dieu. Si je fais, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors tous les dons qu'il a, gloire à Dieu, Amen. Sont déployés. Son nom, c'est la parole tout de Dieu. Ce que je devais faire, c'est aimer son âme. Gloire à Dieu. Amen. Et me marier à lui. Gloire à Dieu. Amen. Afin de vivre par lui et pour lui. Et en lui. On parle de la justice rationnelle. Gloire à Amen. De l'esprit et qui donne les dons. Gloire à Dieu. Amen. On a mis, si tu aimes, tu vas découvrir le trésor dedans. Gloire à Dieu. Amen. Si tu n'aimes pas, tu vas rester 10 000 ans. Donne-moi les dons, hein. Donne-moi les dons. Tu vas aller recevoir les dons de Satan. Gloire à Dieu. Amen. Dans la chair. Et après, tu n'es pas sanctifié. C'est la parole de Donc, Dieu. Voilà que tu comprends. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tu entres dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. Après, tu vois qu'il y a deux sangs, il y a deux désirs. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un désir qui vient du sexe des démons. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Qui est dans le sang de la chair. Et puis il y a un autre désir qui vient de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme son nom. C'est la parole de Dieu. On ne sait pas par amour. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Voilà l'esprit qui te conduit. Alors tu as plus d'autorité dans la connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Amen. Que quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Amen. Une bonne conscience. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors l'amour t'augmentera. Plus tu aimes, plus tu as l'autorité de la maturité. Ce que tu vas faire avec les dons amèneront les gens, amènera les gens à Christ. Gloire à Dieu. Amen. T'amènes d'abord toi-même à Christ. Gloire à Dieu. Amen. Et amène les autres qui t'entendent à Christ. Gloire à Dieu. Amen. C'est dans le sens là qu'on dit qu'à chacun le don est donné pour l'utilité commune. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus nous aide. Et il n'y a pas de plus grande utilité que de gagner la vie éternelle. Son nom. C'est la parole de Dieu. Mais il faut bien comprendre les dons qu'on va même vouloir voir à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Prophétise comme tu veux. Fais les miracles comme tu veux. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne vas pas avoir la priorité dans une église. Ou bien c'est un frère qui a l'amour de l'âme et de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. On va revenir sur distribuer les dons. Mais puisque l'esprit a mis l'emphase d'abord sur l'importance de l'élément déclencheur. Gloire à Dieu. Amen. De l'autorité des dons dans la vie d'un chrétien. Ce qui fait qu'il ouvre les seaux. Gloire à Dieu. Amen. Des dons dans la vie d'un chrétien. C'est l'amour. Gloire à Amen. Dieu. Qui les conduit. Regardons d'abord dans 1 Corinthiens 14. L'amour de l'âme de Jésus. Ce n'est pas l'amour de ton sang. Gloire à Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, allons-y rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, à celui de prophétie. Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, c'est la parole de Dieu. Et d'ici, regarde maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, tout dans la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Tu ne paierais jamais. Gloire à Dieu. Il dit que de chercher la charité, aspirer aussi au don, mais rechercher la charité. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, donc, la charité, il faut la rechercher. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, d'ici, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, gloire à Dieu. C'est un don. Gloire à Dieu. Amen. Si on va revenir dans 1 Corinthiens, regarde mon temps là-bas. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. 42, hein. Oui. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, on va essayer de dire pour ce qui concerne les dons spirituels. On a déjà expliqué. Gloire à Dieu. Amen. Je ne veux pas que, frère, vous soyez dans l'ignorance. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que lorsque vous étiez en débat, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, il doit parler par l'Esprit de Dieu. Le don doit parler par l'Esprit de Dieu. Si tu n'aimes pas l'Esprit de Dieu, comment il va utiliser? Amen. Le don, c'est le Saint-Esprit qui utilise le don. Amen. Dans le chrétien, parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Si tu n'as pas aimé son âme, comment son âme va utiliser le don? Amen. Si tu n'as pas aimé son esprit, comment l'esprit va utiliser le don? C'est le don de la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ici, oh, pèlerin, son nom. C'est la parole de Dieu. Quand tu n'as pas l'âme et l'esprit, te dit qu'il est en train de prêcher. Amen. Il dit qu'il a le don. Quel don? Son nom. C'est la parole de Dieu. Mais ne dit que s'il parle par l'esprit de Dieu, ne dit Jésus et anathème. Il ne peut parler mal de moi après avoir fait un miracle à mon nom. Gloire à Dieu. Amen. Par mon sang et par mon esprit. Son nom. C'est la parole de il Dieu. Il ne peut pas. Il ne parle que par moi. Son âme est crucifiée. La voix de son sang est annulée. Gloire à Dieu. Amen. Et la voix de l'esprit qui est attachée à son sang est annulée. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il a la voix de mon sang. Gloire à Dieu. Amen. Il a la voix de mon esprit. Il fait par moi, pour moi et en moi. Son nom. C'est la parole de il Dieu. Il va parler en bien de moi. Gloire à Dieu. Amen. Les dons vont amener la gloire de Jésus parce que c'est l'esprit qui utilise les dons pour glorifier Jésus. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Si tu n'as pas l'amour que l'esprit te donne pour la vie de Jésus, ne demande jamais le don. Vous demandez. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Gloire à Dieu. Amen. Et que nul ne peut dire Jésus le Seigneur. Et le Seigneur. Alors voilà, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Dis le Seigneur, parlez. Gloire à Dieu. Amen. Par l'esprit, par l'âme. Gloire à Dieu. Amen. En esprit, en vérité. Par amour, par passion. Gloire à Dieu. Amen. Pas avec lourdeur, pas avec monotonie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la
parole de Dieu. Convainqueur, gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Nul ne peut être fort dans la confession de la Seigneurie de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Si ce n'est pas le Seigneur Jésus, pas le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Tu bois beaucoup son lot, fatigué, monotone, enseignant les rangs. Gloire à Dieu. Amen. Ayant la mauvaise conscience. Gloire à Dieu. Amen. Ils ont fait l'offrage par rapport à la foi. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc, regarde ici, il y a diversité de dons. Mais il y a le même esprit. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est l'esprit qui va faire. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il y a la monnaie dans son action. Et là, là, il y a diversité de ministères. Mais il y a un même esprit. Seigneur. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère à tout temps. À tous. Tout, tout en tous. Gloire à Dieu. Amen. Le même Dieu ici, c'est l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Donc, à chacun. La manifestation de l'esprit. C'est bien dit. Gloire à Dieu. Amen. La manifestation de l'esprit. Si quelqu'un écoute ma parole et la garde. Gloire à Dieu. Amen. Mon Père l'aimera. Gloire à Dieu. Amen. Mon Père et moi nous viendrons. En lui. Et nous ferons notre demain. En lui. L'esprit de votre Père parlera en vous. C'est la parole de donc Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne l'aimes pas, comment il va t'utiliser? Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de il Dieu. Il faut bien comprendre quel est l'esprit. Sondez les esprits. Plusieurs faux enseignants, plusieurs antéchrists. Gloire à Dieu. Amen. Sont entrés dans le monde. Ils s'est glissé parmi vous. Gloire à Dieu. Amen. Des gens qui disent qu'ils ont les dons. Gloire à Dieu. Amen. Alors que leur condamnation est arrêtée depuis longtemps. Sondez les esprits. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, et il y a diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. J'ai expliqué ça. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas pour la conscience du moi. Gloire à Dieu. Amen. La conscience que je suis meilleur que l'autre. Gloire à Dieu. Amen. L'amour ne recherche pas son intérêt. Les dons que tu as reçus de la part de Dieu ont été, tu as reçu l'examen d'avoir les dons par l'amour qui n'a pas conscience de soi-même. Gloire à Dieu. Amen. Et qui ne recherche pas son intérêt. L'amour qui croit tout. Gloire à Dieu. Amen. Son don. C'est la parole de Dieu. Alors voilà comment tu as reçu le don si donc tu n'as pas conscience de ton manque. Gloire à Amen. Dieu. Son don. C'est la parole de alors, Dieu. Tu as conscience du manque des autres. Alors tu es servi. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de alors, Dieu. Vous servez à l'intérêt de ton frère. Gloire à Dieu. Amen. Pour qu'il arrive au ciel. C'est la parole de et Dieu. Un autre peut avoir le don pour toi. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de alors, Dieu. Et qui a diversité d'opérations. Gloire à Dieu. Amen. Et bien en effet, alors, à l'heure est donné par l'esprit. L'esprit de vérité. Il va te donner sa commande quand tu ne l'as pas élu. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu ne l'as pas aimé. Gloire à Dieu. Amen. En rejetant tout esprit de moi. Gloire à Dieu. Amen. Tout esprit d'idolâtrie, de sexe. Gloire à Dieu. Amen. De convoitise absolue jusqu'à la dernière goutte du sang de ce qu'il déteste. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, et il donne ses dons à quelqu'un qui a conscience de l'importance de l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Qui donne à l'âme de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. À celui-là, on lui fait confiance absolument. Il utilise tout ce qu'il possède pour asseoir l'amour de ce qu'il aime. Amen. Donc tous les dons pour un chrétien, il va l'utiliser pour garder la vie de Jésus. Amen. Pour combattre tout ce qui va combattre la vie de Jésus. Qui est la vérité. Amen. Voilà pourquoi on lui donne les dons. Parce qu'il aime. Amen. Les dons ne sont pas contre moi. Amen. C'est la parole de Dieu. Donc, aime-moi, tous mes dons seront à toi. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu ne m'aimes pas, tu fermes la porte des dons. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit que rechercher par l'amour. Gloire à Amen. Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, il dit qu'en effet, à l'heure est donnée par l'esprit une parole de sagesse. C'est la parole de Dieu. La parole de sagesse, la parole de la croix. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse, la croix de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Fondée pour les païens. Gloire à Dieu. Amen. Mais la sagesse de Dieu, Christ. Christ, crucifié. Perdre tous les désirs pour garder l'âme de la paix. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Qui aime sa femme. Plus que moi. N'est pas digne de moi. Le désir qui me fait aimer ma femme. Gloire à Dieu. Amen. Et dans le sang de la chair. Et j'utilise la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Pour défendre le sexe là. Gloire à Dieu. Amen. Je dois aller travailler pour lui faire plaisir. Son homme. C'est la parole de celui Dieu. Celui qui est marié s'inquiète de manière de plaire à sa femme. C'est la parole de Dieu. Que celui qui est marié soit comme s'il n'était pas marié. Son homme. C'est la parole de Dieu. Pardon, parole de sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Paul va dire que je ne le dis pas pour vous prendre au piège,
Mais pour vous attacher au Seigneur sans distraction, c'est la parole de Dieu. Que celui qui n'est pas marié fait bien. Amen. Il va se couper de plaire à Dieu et d'être sain de corps, d'âme et d'esprit. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu vas faire, tu ne vas pas prendre. Gloire à Dieu. Amen. La sagesse, c'est pour renforcer la vie de Christ. Le conseil qu'il te donne, c'est pour renforcer la vie de Christ. Il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu ne trouble la paix de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. En toi, la paix de l'esprit. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. L'autorité des dons. Gloire à Dieu. Amen. Que l'esprit de Dieu, ça marche avec l'amour de l'âme de Jésus. Tout est tu fais, toi, tu enseignes, tu conseilles. Gloire à Dieu. Amen. Tu es prêt. Gloire à Dieu. Amen. Seulement pour que la vie s'y prenne contrôle. Gloire à Dieu. Amen. Le réveil de la vie. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Gloire à Amen. Avec l'ultime responsabilité. De faire des disciples. Des disciples, ceux qui, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui possède. Alors la connaissance, la parole de sagesse, ça veut dire que tu renonces à tous. Ce que tu possèdes, gloire à Dieu. Amen. Si tu n'es pas disciple, tu es un démon. Toute personne qui n'est pas disciple devant Dieu a un démon à lui. Gloire à Dieu. Amen. L'homme riche avait un démon de richesse. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Tu n'es pas disciple, tu abandonnes, tu renonces à toi-même. C'est ça, non? C'est ça. Quiconque ne renonce pas à lui-même, à sa propre vie et à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Terminé. Gloire à Dieu. Il a un démon qui l'empêche d'être disciple. Un disciple chasse les démons. Gloire à Dieu. Amen. Et ne peut chasser les démons que des disciples. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que je vous envoie les disciples. Gloire à Dieu. Amen. Faites des disciples. Un disciple chasse les démons des gens. Et quand les démons la sortent, c'est à dire que les démons qui habitent dans l'âme, la maison, gloire à Dieu. Amen. Et la conscience de moi, quel est le péché, quand elle sort, quand il cherche, alors tu deviens disciple. Gloire à Dieu. Amen. Et tu les suis. Donc, si on a vraiment chassé les démons en toi, tu vas te consacrer à l'âme de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et à l'esprit de Jésus, dont les dons que les disciples ont. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour défendre la vie de Jésus, lutter contre notre vie, la chasser des gens et mettre la vie de Jésus et enseigner l'amour pour la vie là. Gloire à Dieu. Amen. Alors toute autorité est dans la vie là. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Tout pouvoir, c'est dans la vie, dans la personne là. Jésus dit que je suis la vie. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est à moi que tout pouvoir a été donné. Gloire à Dieu. Amen. En toi, par la vie là, Jésus a tout pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Il a tous les dons. Gloire à Dieu. Amen. Tous les trésors de la sagesse, pardon, de connaissance, tout, gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, il sait, gloire à Dieu. Amen. Alors tu vas produire les disciples. Gloire à Dieu. Amen. Quand les démons sont sortis, tu es conduit par l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et tu vis par Dieu. Tu n'as plus rien dans le monde. Tu n'as plus rien sur la terre. Ta famille, c'est quelqu'un qui écoute la parole. La parole de Dieu. Ta mère, c'est quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. Et qui la mère. Empathie. Autrement dit, qui a l'âme de la parole de Dieu et qui l'aime, gloire à Dieu. Amen. Et qui suit l'esprit de la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de plus grand don, gloire à Dieu, Amen. Que de donner la vie éternelle à quelqu'un, gloire à Amen. Dieu. Son nom, c'est la parole gloire de Dieu. Le Paul va dire que je n'ose pas mentionner les miracles, gloire à Amen. Dieu, que le Père, que l'Esprit de Dieu a fait par mes mains, gloire à Dieu, Amen. Pour ramener les païens, gloire à Dieu, Amen. À l'obéissance de la foi, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De terminer la conscience, la soif, gloire à Dieu, Amen. D'avoir que les hommes prennent la vie de Jésus pour arriver au ciel, gloire à Dieu. Amen. Tout pouvoir lui a été donné, gloire à Dieu. Amen. Toute connaissance, gloire à Dieu. Amen. Toute omniscience, gloire à Dieu. Amen. Toute omniprésence, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans l'ultime responsabilité de faire des disciples, tu vas voir les miracles terribles, gloire à Dieu. Amen. Tu auras les révélations terribles, les dons de discernement de Holland, gloire à Dieu. Amen. Paul va se tourner, il dit à la femme qui est en train de dire le bien, gloire à Dieu. Amen. Que ces hommes sont les hommes de Dieu, il dit que tu ne parles pas par l'esprit, tu rends témoignage de la chair. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. La vie éternelle ne consiste pas à connaître les hommes. Amen. Ça consiste à connaître le Seigneur Jésus. Et nul qui parle par le Seigneur Jésus ne va pointer l'homme. Amen. Il va pointer Jésus. Ça, c'est un esprit de divination et de python. Amen. Par le témoignage du sang de Jésus, j'ai le don du discernement. Amen. Tu parles avec le sang du moi. Amen. Tu parles avec le sang de l'homme. Amen. L'esprit qui parle de l'homme. Amen. Et qui a la marque de la bête. Amen. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je suis en conformité. Mon âme est en conformité avec l'esprit qui a le don. Amen. Et qui a l'autorité. Sors d'elle.
radio. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du propriétaire de l'âme de la vérité. La radio. Amen. Au nom de l'esprit qui marche avec l'âme de la vérité. Donc si elle sait, la radio. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le mouvement de l'esprit. La radio. Amen. Voilà une action de l'esprit. La radio. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. La radio. Amen. Il est en plein combat. La radio. Amen. Et veut que la femme s'y soit véritablement sauvée. La radio. Amen. Il veut que les gens qui le suivent soient véritablement sauvés. Il a l'amour de la vérité. Il a l'amour de l'âme de la vérité pour eux. La radio. Amen. Il veut qu'ils arrivent au ciel. Il ne veut pas que la femme s'y prêche ses choses et que les gens le suivent quand elle a chair. C'est la parole de Dieu. Si tu suis Paul parce que la femme l'a parlé, est-ce que tu es sauvé? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il veut sauver. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de alors, Dieu. Alors montant la bombe de Béné. Gloire à Dieu. C'est son nom. 55. Lisons une minute. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il part ici. En effet, elle leur est donnée par l'esprit. Une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Une autre, une parole de connaissance. On a vu ça tout ça dans Paul. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il a plus de dons parce qu'il aime plus. Gloire à Dieu. Amen. C'est très simple. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Paul a dit donne-moi la parole de connaissance? Non. Il a dit que donne-moi la parole de sagesse? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Christ est Christ. Crucifié. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il a la passion pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu l'entends, gloire à Dieu. Amen. Toutes ces choses qui étaient pour moi, comme des gueules, je les considère comme de la boue. Je traitais durement ma chair, mon corps, et je le tiens assujetti. Je veux d'être moi-même rejeté. Après avoir prêché aux autres. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Hey, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit pour défendre la même vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Un autre, la foi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pas le même esprit. Ça, ce sont les dons. Gloire à Dieu. Amen. On va voir dans 1 Corinthiens 13. Gloire à Dieu. Amen. Comment il va dire que si tu as tout ça, mais tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Son nom. C'est la parole de Dieu. Du diable. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Parce que les gens partent au ciel pour lui-même. Gloire à Dieu. Amen. La connaissance enfle. Gloire à Dieu. Amen. Mais la mort. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il met le don à un autre la foi. Gloire à Dieu. Amen. Pas le même esprit. La manifestation de l'esprit ici. Gloire à Dieu. Amen. Un autre le don des guérisons. Son c'est la parole de on Dieu. On avait le don là. Gloire à Dieu. Amen. Pas le même esprit. Un autre le don d'opérer les miracles. Il avait le don là. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de il Dieu. Il avait le propriétaire de tous les dons ici. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus avait tous les dons là. Gloire à Dieu. Amen. L'âme à laquelle appartient tous ces dons. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, il n'y a aucun don que j'ai manqué. Gloire à Amen. Dieu. Dans l'appel de Dieu, son nom. C'est la parole de si Dieu. Il m'a appelé pour enseigner, il a démontré le don là. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas enseigné l'erreur. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu as entendu, tu n'as pas aimé Jésus. Amen. Tu vas défendre la vie de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Tu parles des dons par excellence. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas parti dire que donne-moi les dons. Mais l'esprit me dit qu'aime le Seigneur. Gloire Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Aimer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Aimer Dieu plus que de le faire. Ceci. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il voit les dons. Il déteste mon âme. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole donc, de dans Dieu. Dans les fainés, on va les bénir. Et un seul et même. Esprit. Son nom. C'est la parole de un Dieu. Un autre le discernement. Yes, un autre la prophétie. Gloire à Dieu. Amen. On va voir que Paul a tout ça. Un autre le discernement des esprits. On va voir avec la femme du Python. Gloire à Dieu. Amen. Il va dire rien. Sors d'elle. Son nom. Son nom. C'est la parole de un Dieu. Un autre la diversité des langues. Parle. Gloire à Dieu. Amen. Un autre l'interprétation des langues. Tout ça dans le ministère. Gloire à Dieu. Amen. De promouvoir la vie de Dieu. Tous les dons s'y commencent. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Et distribue à chacun. En particulier comme il veut. Son c'est la parole de Dieu. Comme elle veut, par sa conscience. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, on va devenir dans 1 Corinthiens 13, mon temps est fainé. Il va dire que si tu as des dons et que tu n'as pas l'amour de la vérité, ce n'était pas lui. Gloire à Dieu. Amen. Cela ne me sert à rien. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que lorsque je parlerai, mon temps est fainé. Son nom. C'est la parole de Dieu. On est dans la prière, les hauts lieux. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas combattre avec Jésus, l'esprit la tombe. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, on a dit là-bas les dons. Gloire à Dieu. Amen. Si je n'ai pas la charité, je serai qu'un rien qui résonne. Son nom, c'est la parole de Dieu qui s'emballe, qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, c'était pas ça.
C'est la parole de Dieu. Le don de prophétie, s'il n'y a pas l'amour pour la vérité, pour l'âme de la vérité, pour la personne de la vérité, pour l'esprit de la vérité. Alors quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères. Gloire à Dieu. Amen. Alors toute la connaissance. On a parlé des dons là-bas, dans 1 Corinthiens 13. Amen. 1 Corinthiens 12. Gloire à Dieu. Amen. La connaissance. Gloire à Dieu. Amen. Et dit que quand tu auras tout ça, quand j'aurai même toute la foi. On a dit que l'esprit opère la foi là-bas. Amen. Mais il y a une fausse foi. Amen. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Et si je n'ai pas la charité, suis rien. Terminé, fini. Gloire à Dieu. Amen. Tourner, c'est la parole de Dieu. Terminé, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps, tu dis que tu vas être crucifié. Gloire à Dieu. Amen. À pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Tourner, c'est la parole de Dieu. Terminé, gloire à Dieu. C'est bon à rien. On ne veut pas le chien des dons là. Amen. Lève-toi pour parler à Dieu. Que les démons qui t'ont donné les faux dons sortent de toi. Les démons, les forces, les dons qui ne te sanctifient pas. Les faux rêves. Tu es toujours en train de te mettre en colère. Tu es toujours en train de convoiter. Mais tu as les rêves. Et ça, ça t'accomplit. Et tu penses que c'est Dieu. Le Seigneur va t'aider. Le don de discernement. La grâce de Dieu. De sonder les esprits. Mon frère, pour savoir, c'est un de Dieu. Un esprit qui ne te sanctifie ne fait pas une révélation qui ne défend pas l'homme de la vérité, une parole de sagesse, un don de miracle, un don de la foi. Mon frère, gloire à Dieu, qui ne défend pas l'homme de Jésus, la paix et l'esprit de la paix, gloire à Dieu, de l'amour, de la bonté, de la tempérance, de la douceur, de la consécration à Dieu. Hey, paix de ta famille, mais Jésus, laisse que toi, laisse que ta famille, laisse que tes enfants, laisse que ton mari, plus que ton pays, plus que toi-même. Hey, voilà, on commence les dons. Voilà, porte. Voilà, on les donne comme Paul dit que si tu n'as pas aimé comme ça, il n'y a aucun don. Il n'y a aucun don d'enseignement. Il n'y a aucun don de révélation. Il n'y a aucun don de parole, de connaissance. Hey, voilà Dieu qui enseigne eux, faux docteur, faux apôtre. Hey, que Dieu t'aide, soutiens le combat. Une minute. Tu as renoncé à l'amour de Dieu. Et te voilà qui marche. Hey, quand tu as lâché, te vantant avec les miracles mensongers, avec les faux raisonnements. Hey, que Dieu t'aime, aie pitié de moi. Quelle foi est-ce que tu as? La fausse foi pour déplacer la montagne, mais tu n'as pas la mort de la paix de Jésus. Tu ne connais même pas Jésus en toi. Hey, que Dieu t'aide. Tu ne connais pas l'homme avec qui tu vis, mais tu veux connaître celui de dehors. Tu veux connaître le Jésus du dehors, mais Jésus de dedans, tu ne connais pas. Hey, que Dieu t'aime. Il faut qu'il soit dedans pour chasser le prince du monde et le jeter dehors. Est-ce que tu connais l'âme de Jésus qui est en toi? Est-ce que tu connais l'esprit de Jésus qui est en toi? Comment vas-tu connaître la voix de sa parole? Mon temps est fini. C'est le don de la parole. Mon temps est fini. Soutiens le combat. Seigneur, en ton nom, mon temps est fini. Merci Seigneur. Mon temps est fini. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le don de la parole. C'est le don du sang de la parole. C'est le don de l'esprit de la parole. Mon temps est fini. Merci Seigneur.